Bismillah. Chaque fois que le guerrier sort son épée du fourreau, il s'en sert. Il peut s'en servir pour ouvrir un chemin, venir en aide à quelqu'un ou éloigner un danger. Mais une épée est capricieuse et elle n'aime pas que sa lame soit exposée sans raison. C'est pourquoi un guerrier ne profère jamais de menaces. Il peut attaquer, se défendre ou fuir. Chacune de ces attitudes fait partie du combat. Ce qui n'en fait pas partie, c'est de gaspiller sa force. D'un coup, en en parlant, un guerrier est toujours vigilant au mouvement de son épée, mais il ne peut pas oublier que l'épée, elle aussi, prête attention à ses mouvements à lui. La force d'une épée se passe des mots.